Youp, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. On se retrouve ce soir sur Cyberpunk, j'allais dire une connerie, j'étais en train de lire un truc, j'allais dire une connerie. Donc sur Cyberpunk, on va reprendre l'aventure là où on s'en était arrêté. Ah, je suis fatigué, la journée de travail a été épuisante. C'était une catastrophe. Ravi de vous Salut. retrouver. Mon invité ce soir est le lieutenant Sarah Krakowski, porte-parole du NCPD. Bonjour ma belle, bienvenue dans l'émission. Bonjour Digby. Merci de m'avoir invité. Je sais même plus parce que. Ah si! J'espère que Mais Johnny vous n'avez pas eu mal Silverhand de qui rejoindre était le rentré dans studio. ma tête. Et ça, c'était cool. C'était très cool même. When danger lurks. Kimura, Kimura, qu'est-ce qu'il veut? Il faut qu'on se voit. Rendez-vous chez Thomas Dyna. Pourquoi j'accepterais, tiens? Pourquoi j'accepterais? Parce que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Ah, quel rat. J'ai pas encore réussi à remettre mes idées en ordre. Après tout ce qui s'est passé. Tu n'y arriveras pas avant un moment. Et alors quoi? Si tu as l'intention de vivre, tu dois remonter sur le ring. La cloche a déjà sonné. Tom Sedina, j'attends. Hop, hop. Qu'est-ce qu'ils font, Pélo? Y a un truc bizarre. Oh, excuse-moi. Désolé. Je m'en vais, je m'en vais. Ils ont voulu me casser la gueule, je répète. Ils ont voulu me casser la gueule. Marie, on sait que t'es là. On voudrait t'aider. Hey! Merci, ça, pour les 1 bits. Je peux pas leur parler? Ah, c'est plus tard. Plus tard, on pourra venir leur parler. Comment est-ce, ça? Hop, petit dérapage à la 360. Tu chill, c'est beau ça. J'ai vu que t'avais bien bossé, mon salaud. Et vous regardez WNS News. C'est un triste jour pour notre ville, avec le décès du maire Lucius Ryan. Oh, Lucius est mort. Nous avons appris la nouvelle oh merde. Il est mort paisiblement dans son sommeil. La cause de son décès n'a pas été communiquée. Lire le message de l'administration du méga building H10. Le reste où est-ce qu'on lit le message? Ryan sera assuré par son adjoint et son associé le plus proche. Oh Luchon, comment est-ce ta bien? Bienvenue. Là. C'est à combien? C'est à 125 mètres. On fait rien à pied nous. Ah je suis obligé d'y aller à pied. Bien, et bien écoute, impeccable. Ça a été ta journée mon petit pote? Ah, attends, Regina m'a... Ah oui, les voitures, ça y est, let's go. Il y en a un monde, elle a pas beaucoup servi le mec qu'il avait. Ah, on verra les voitures, on verra ça plus tard. Par contre, attends. Journal. Non, En fait, je peux pas. Il est où ce message de fou là? Merde, j'aurais pas dû faire ça, je suis nul. Rejoindre Takemura. Ils ont mis deux enfants. Il n'y avait pas d'enfants avant. Encore sous le trader, mais je crois que t'avais un. Je croyais que ton build était complètement complètement pété. Du coup, c'était pas. Tout te faisait chier, non? Avec ça, nous envoyer une offre pour acheter le véhicule. Chaque fois que vous recevez une offre, un nouveau marqueur apparaîtra sur votre mini-carte pour acheter le véhicule. Là, l'endroit indiqué pour confirmer l'achat. Non, je vais y aller. Moi, le véhicule, je l'achète pas, je le vole. Takemura. Je me rappelle sur Xbox quand j'avais fait ce moment-là. La console avait crash. Tu n'as pas l'air si malin. La zone était trop gourmande. En fait, dans la voiture, je ne pensais pas que tu survivrais. Est-ce que tu veux que t'attendes moi au juste? On entend la nana qui est de l'autre côté de la vitre, quoi. Tu dois me dire où je peux trouver Evelyn Parker. Elle est avec Peter. Evelyn. Pourquoi Peter Parker. Yorinobu Arasaka et elle étaient intimes. Elle doit connaître ses points faibles. Ça me fait penser que moi aussi j'ai deux mots à lui dire. Elle a promis de m'aider à me débarrasser de la puce. Je ne compterai pas là-dessus. Elle est sûrement partie loin, très loin d'ici. T'es un fou, Luchon, ça va te demander tellement de temps. Je crois que pour monter... Parce que du coup, c'est niveau 200, question. Je crois. Et ça prend énormément de temps, tu dois faire une centaine de runs, Qu'est-ce je crois. Qui te fait croire qu'elle pourrait t'aider à retirer la un puce? Un peu plus d'une centaine de runs. Elle est soutenue par si une je dis pas de corporation. Bêtises.
Ah, on pense que oui. C'est ce que je pense, ouais. Elle est soutenue par une corporation sur 100%. Evelyn était bien renseignée sur la relique. Elle avait tout un tas d'infos classifiées. Elle est assez mystérieuse. Elle avait ce côté sournois qu'on voit chez les agents corpaux. Tu vois le genre. T'as l'impression de prendre la commande depuis 20 minutes. Ce côté sournois dont tu parles. Tu t'es fait dégager comme une merde. Tu fais partie des parias maintenant, t'as déjà oublié? Bon bah Gilles, viens sauver alors. Désolé de pas avoir pu t'aider. Parle de la scène, bien sûr. J'ai pas de temps à perdre alors. Fais, attends. J'ai besoin de toi. So? Yorinobu Arasaka. Est-ce que t'es là? Doit répondre du meurtre de son père. Tu veux faire justice? À Night City. Je veux me venger. Ce sera bien plus simple. J'ai des alliés prêts à mettre Yorinobu à genoux. Tout ce qu'il me manque, c'est une preuve. Toi, tu crois que c'est merde, putain, dommage pour Zelda. Pour l'instant, si tu sais que j'ai. Tant qu'on prend plaisir, ça la galère, la position du gamer. Grave, Lucho, je suis complètement d'accord avec toi. Après, t'es tout seul, du coup, ça c'est un peu dommage, non? Tu veux que j'accuse Yorinobu devant des cadres d'Arasaka? Alors quoi? Oui. On débarque au QG d'Arasaka et on annonce que Yorinobu est un meurtrier, qu'il a assassiné Saburo, son propre père. Il y aura une donc du coup, tu me conseilles de le faire en solo raisonnable, en terrain neutre. Est-ce que t'as vu YouTube au passage? Est-ce que t'as vu les vues sur les vidéos en, place pour établir la vérité. En vrai, je suis content. Hein. Un détecteur de mensonges? Non, merci. Non, merci. En vrai, c'est très sympa. Bien. Je sais pas d'où ça vient. Je alors, sais pas d'où ça sort, mais. Situation. Je suis content. Tu es mourant. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Une puce, la relique, est la source de ton problème. C'est une technologie d'Arasaka. Eux seuls la maîtrisent. Cette corporation peut te sauver aussi facilement que tu faire disparaître. Tout dépend des personnes qui sont de ton côté. Ah ouais, donc accompagné, ça va. Tu dois tomber sur des mecs qui ont des bulles de fou quand même, non? Anders Hellman. Des personnes comme Anders Hellman, tu veux dire? 100%. Comment connais-tu ce nom? Je connais tous les noms. Un casse, ça demande de la préparation. Hellman est le créateur de la relique. Faux. C'est un pion. Je pensais à quelqu'un du bien plus puissant. Et puis, Anders Hellman. Ça me fait peur justement, je crois que je suis pas prêt encore. Par contre, sur YouTube, So, je ferai pas comme les YouTubeurs, je pense que pour l'instant je balancerai que des let's play. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Plus mauvais que bon, le salaud. Mais faudrait qu'on s'en repasse de l'outrider. En vrai, à voir. Est-ce que tu travailles comment la semaine prochaine, Lucho? Quand il a consent. Alors, Anako-sama, je voudrais d'abord vous demander. Ces bâtards d'Arasaka sont partout. Mizutani. Hey, j'étais en train d'écouter. Je m'en fous. Y'a que toi que ça intéresse, la vie de cette pute de corbeau. Qu'est-ce que tu as dit? T'as bien entendu. Laisse tomber, Takemura. Il me faut plus de temps. J'ai un tas de trucs à faire. Heureusement que ton copain est plus futé que toi. Enfin, c'est surtout qu'on n'a pas vraiment le choix, en fait. On n'est pas futé. Tiens, elle est encore en train de se plaindre, elle. Ça serait qu'il y a des petits à côté de nous. J'ai besoin de temps. Merci pour réfléchir. Pour offre. J'ai besoin d'y réfléchir. Avec, il est gentil, on va le je te rappellerai. J'ai besoin de temps pour m'organiser. Je suis donc libre si aujourd'hui. Tu m'aides, mais écoute, la semaine prochaine, je vais voir, mais peut-être que tout je ferai une après-midi sur Outrider alors. Si c'est chaud, ce que je fais du matin, la ville. Donc les après-midi, je serai disponible. Quitter la ville? Pourquoi faire? J'ai besoin d'aide, et c'est ici que j'ai le plus de chances d'en trouver. À part les spécialistes d'Arasaka, personne ne pourra t'aider. Pas d'alternative. Ouh. En fait, on vient juste d'en mentionner. Je vais tenter les. Ouais, on va dire Anders Hellman, l'inventeur de la relique. Si quelqu'un peut m'en débarrasser, c'est lui. Franchement, Lucho, je te réserve une après-midi, on se passe à une après-midi. Ben, je me gênerai pas. De 14h30, 15h à peu près, jusqu'à 18h30, 19h. Ce sera une belle session de jeu et du coup, on sera en stream en plus, ça sera cool. Et je vais voir ça, je vais voir sur le planning. Où poser cette journée, puis on se passe ensemble comme ça, je te redirai. Pourquoi tu voulais trouver Hellman? C'est lui qui a prévenu Saburo-sama au sujet de Yorinobu. Il les connaissait bien tous les deux, et pourrait être un témoin capital. Oh. Les corpora parlent dès qu'on leur tire la queue. Pendant des jours, j'ai rassemblé des informations. En vrai, ça se voit pas trop, quoi. C'est parce que t'es perfectionniste. Moi, je vois pas la différence. Après, t'es en grand écran, là. J'ai vite été congédié par leur reine des Fixas, Rogue.
Elle a flairé la corpo. Elle t'a pris pour un costard? Non. Il m'a pris pour l'assassin de Saburo Sama. Rogue a ses sources. Elle est au courant d'à peu près tout ce qui se passe dans cette ville. On devrait aller lui parler d'Alman. Je te souhaite bonne chance. Elle est difficile. Hors de prix. Et grossière. Merde. Parce que moi, je vois pas, là. Je vais tenter ma chance avec Evelyn. Je savais que c'était Evelyn qu'il fallait aller voir. On trouverait Evelyn. Si elle n'a pas pu t'aider avant, tu veux venir ? Elle ne pourra pas le faire maintenant. Je sais pas si on va te voir. Les voleurs ont leur code d'honneur, pour info. Je trouve ça ironique. L'honneur existe bien. Mais les voleurs n'en ont pas. Bah, va dire ça à Yorinobu Arasaka. Hein ? Cette femme, Parka, ne t'aidera pas. Si j'étais toi, je réfléchirais à un plan B. Si on te voit, le cam. Je ne peux pas rester là plus longtemps. Fais ce que tu veux. Retrouve Parker, Hellman, ou je ne sais qui. J'ai des amis à voir et des services à demander. Quand mes contacts chez Arasaka seront prêts à t'entendre, je t'appellerai. C'est ça, tu m'appelles? Si par miracle, tu retrouves Hellman, fais-le-moi savoir. Elle vient de s'allonger sur moi, gros, laisse tomber. Lui et moi, on a un compte à régler. Elle fait ultra mal. Radio l'a réchauffé. C'est marrant, Night City est toujours la même. Arasaka est toujours une machine tyrannique, et le monde court tout droit à sa perte. Enfin, au moins, Rogue est toujours là. On est potes maintenant. Tu sais que t'es gonflé? D'abord t'essaies de me buter, et maintenant tu veux qu'on soit potes? Genre, tout va bien? Tu sais que t'as pas besoin d'ouvrir la bouche pour me parler. Mais qu'est-ce que tu veux? J'ai un peu réfléchi et j'ai changé d'avis. J'ai plus envie de te tuer, c'est fini. Elle est baveuse. Va te faire foutre, sale con. Hey, c'était pas facile pour moi non plus, hein. Tu t'es réveillé dans une décharge, moi dans ta tête. Perdu au milieu de tes pensées, de tes souvenirs. Je crois que ça se vaut. Et puis, j'ai pris un peu de recul. Je crois qu'on peut s'entraider, tous les deux. Il est dégueu. On pourrait déjà aller voir Rogue. C'est devenu Chewish. Ça fait une éternité. Quand ses lunettes, il ressemble à rien. Toi, tu m'aiderais ça. T'es mort il y a 50 piges, du con. Tous tes amis sont morts aussi, ou trop vieux pour se souvenir de toi? Johnny Silverhand est mort en héros. Ça s'oublie pas, ça. Ok, tu connais Rogue. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Salut, j'ai une tumeur au cerveau qui prétend être ton vieux copain Johnny. Crois-moi, des histoires à la con, elle en entend depuis l'époque où t'étais même pas encore au chaud dans les bourses de ton père. Ça marche chaud, y a pas de soucis. Pas besoin d'en dire plus. Je te souhaite une belle soirée. Des souvenirs. Des bisous, mon copain. Dégueu. Et c'est du beau travail encore. Je sais comment m'y prendre avec Rogue. Amène-nous juste à l'afterlife. Y'a pas de nous. Est-ce que je vais réussir à jouer comme ça? Elle est là, la question. Hé, hey, regarde ça. Hé, hey, vise un peu ça. Tu le vois aussi, non? Soit mes fusils m'ont grillé, soit je vis un moment mystique. Comment elle s'appelle? Tu sais, la nana avec les cheveux. Misty? Ça doit plutôt être un court-circuit neural dont Vic va devoir s'occuper. Mais je pourrais en parler aux deux. On s'en tape. Je crois que des fois je peux donner des réponses, genre là. Il paraît que tu te fais un nom et tu ramasses des édits. Tu vas changer de look, de caisse, de matos. Il n'y aurait pas de changer de turn. J'ai un Chumbob qui bosse chez Easy States. On va voir ça en vrai. Hein. Ça peut... Evelyn. On parle, c'est important. Elle, direct. Vector. Ouais, j'ai laissé quelques fripes dans ta... Ah, j'ai vu ça. Ok. Ça, c'est tout good.
Ah merde, il a déjà répondu. C'est cool, c'est sympa, très bien. Ok, Evelyne pas dispo. Les vecteurs. D'accord. Donc là, jusque-là, tout va presque bien. Appeler Judith. On va de la paix, hein. V, c'est toi? Eh bah, moi qui te croyais mort. Écoute, je dois trouver Evelyne. J'ai vraiment pas envie de parler d'elle. Est-ce que tu sais où elle est? T'es sourd ou quoi? Laisse tomber. Je le répéterai pas. On peut se voir? Allez, dis oui, s'il te plaît. T'es au Lidziz? Du coup... Pourquoi je peux pas appeler ma caisse? Est-ce que ma caisse, elle était là alors que je peux pas l'appeler? Je comprends pas. Je sais pas pourquoi je peux pas l'appeler. C'est étrangement étrange. Par contre, Maki, tu vas me déranger un peu, je crois. Elle est dans le parking, ouais, mais je pensais que je pouvais l'appeler du coup, tu vois. Parce que de ce fait-là, si je fais carte, est-ce que je la vois, ma petite bagnole? Attends, je la vois pas en fait. Récupérer votre pistolet chez Wilson. Ah ouais, si, je suis obligé d'y aller, quoi. Attends, je vais aller les récupérer. Merde. Ok. On va récupérer la bagnole, vu qu'il y avait un flingue à récupérer, je vais la récupérer également. Là, j'ai même pas fait attention à ça, quoi. Bon, ça peut faire un tour, mon pauvre. C'est vrai que j'étais juste à côté, quoi. Il y a un truc qui va pas. Sans blague. Je parle pas de l'accident. J'ai pu retourner vite. J'ai pu retourner la voiture normale. Pourquoi le chauffeur le plus courtois de la ville se tire comme ça après un accident? T'inquiète. Mais t'as vu, j'ai retourné ma voiture au calme, quoi. Alors que j'aurais dû rester sur le toit. Acceptez nos excuses les plus sincères pour l'accident de circulation. De la main Corporation vous invite cordialement à vous rendre au siège de l'entreprise afin d'évaluer les dégâts subis et de décider du montant de votre dédommagement. Ok, donc il y a une autre quête secondaire à faire. Le sujet qui est à 1,4 km. Attends, j'avais une arme à récupérer aussi. Juste à côté. Alors, le pistol gun chez Wilson. Ah, la voiture elle est complètement morte, quoi. Putain, fais chier. Et l'autre là de la main là, il est super loin. Oh, mon chat, il est en train de dormir, elle est trop belle. On voit ses patounes, mais bon, les armes sont pas mal là. Elles sont stylées un peu, hein.
Ok, montre-moi ce que t'as. Faut pas me le dire deux fois. Alors. Ah, ça, c'est les armes que je peux acheter. 183 balles. Quoi? Mais il est fou. Je crois que c'était gratuit. Y a rien de gratuit en fait. Récupère votre pistolet chez Wilson. N'avez pas assez d'argent. Elle coûte 9000 balles, mais il est malade. Et c'est quoi le pistolet que j'ai récupéré? C'est ça la quête? Ah, c'est ça! Ah ouais, pardon, désolé. Je savais bien qu'il y avait un truc quelque part qui n'allait pas. Bienvenue pour le bulletin mondial de N54 News. Gillian Jordan. Des scientifiques de Biodyne Systems ont annoncé une percée dans la lutte contre la sclérose en plaques. La SEP est l'une des rares maladies que l'on ne peut pas traiter en remplaçant les tissus affectés par un implant. Toutefois, les experts de Biodyne ont créé des nanites dont l'injection dans la moelle épinière permet de réparer durablement et sans intervention. Alors, je vais vous parler de ce qui s'est passé. Il fait dodo, faut que je m'enlève parce que je peux pas jouer. Abdo, Abdo fessier. Ah, enfin, enfin libre du chat. Alors, du coup, bah la bagnole est morte. Oh, j'allais voler la bagnole des flics. Ça c'est pas bon ça. Il me faut la voiture de Johnny Silverhand. Je sais pas où elle est. Je sais qu'elle est sur un conteneur dans au niveau de bateau ou je sais pas quoi, mais il est peut-être trop tôt pour que je puisse la récupérer. Et il y a son flingue aussi que j'aimerais récupérer. Hey, regarde, bon, il va pousser d'une force. Oh. En endurance là, je vais être bien. Hein. Ça permet de voir du paysage, c'est bien. Moi, le jeu y tourne quand il y a de la population et tout, ça passe crème. Pas comme il y a un an, quoi. Et bah, la taille de la bécane. Alors, il semblerait que j'ai merdé quelque part. C'est mon gun, ça? Oh bah. Je vais mourir. Je suis mort. Putain, je suis con. J'ai voulu partir en fait et j'ai paniqué. Ah, je crois que je vais tout recommencer. Ah, je suis mauvais. J'ai pas fait ça quand même. Je crois que j'ai fait ça. Je suis nul. Et le choix que j'ai fait est mauvais. Ah non, je reprends là. Ah, ça va. Plus de peur que de mal. Mais c'est moi qui ai merdé en plus. J'ai été nul. Caillou, il est lourd.
Putain, je me fais péter dans tous les sens, quoi. E9, 1C, BD. Je pouvais plus prendre de vie. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je sais pas pourquoi l'autre il est venu m'attaquer derrière. Alors que c'est une agression, normalement je suis censé pouvoir les aider, quoi. Je comprends pas, il y a un truc que j'ai pas compris. Je vais revoir ça. Normalement les agressions, je suis censé les tuer. Oh parasite, comment que c'est? Ça va mon pélo? Une douillette mon pote. On prendra pas soin. Mais écoute, ça va très bien. Je suis en train de me faire démonter, mais ça va. RTX on, ouais. J'arrête pas de me faire démolir, gros. J'essaye tout. En fait, je joue en très difficile. La difficulté la plus extrême. Et du coup, je prends 3 balles et je canne. Et du coup, ils sont 6. 6 pèlerins. 6 pèlerins sur mon fiac. Ah ouais? Je sais pas, moi, le jeu, je le trouve plutôt beau. Il y a quelques ratés parfois, j'ai l'impression quand même. Mais en vrai, il a l'air de bien tourner. Hein. Attends, je vais remettre des trucs de foin. Ah, j'ai plus d'aide. Retourne chez ta mère, toi. Si vous entreprenez illégal comme voler agresser des gens, ouais, t'inquiète. Les zones sont assez précises avec le RTX. D'accord, ouais, donc c'est bien carré et tout, quoi. Ah, fais chier, on va me faire péter. Je suis mort encore. Putain, il me met des douilles, mon pote, mais laisse tomber, quoi. Mais il me colle les douilles de où? Ah, c'est lequel qui me douille? Je ne comprends pas. Je vais réussir à le passer, hein. Mais je me fais douiller, mais laisse tomber, quoi. Les enfoirés. Il restait un ennemi, je crois, en plus. Et j'étais derrière le muret. Je comprends, hop. Bam. Décapsulé!
Ah ouais, mais il y a les pliques derrière en fait, c'est pour ça que je meurs. Hier j'ai fait du Minecraft RTX avec un texture pack. Qu'est-ce que c'est beau. C'était lequel ton texture pack? Parce que moi j'ai pas eu de texture pack avec, avec le RTX. Oh, j'ai quitté les jeux, je suis un connard. Nous avons créé un rapport d'erreur. Oh non, c'est le jeu qui a crash. Oh bah merde, c'est bien la première fois que ça arrive. Crash en plein live, c'est bon. Comme il y a eu un crash en plein live, c'est pas sauvegardé, je crois. On va voir ça. Le stream en PLS, en plus, le stream en sueur. Lui, il a pas l'air de vouloir se relancer. Attends. Se relance. Il a du mal, hein. Putain la vache. J'ai testé plusieurs texture packs et j'en ai gardé deux que je trouve très sympa. Le Doi RTX HD et les gens diraient Bedrock. Et du coup, avec ta 3060, c'est la TX là, toi. Tu l'as fait tourner au calme, quoi. Genre, le jeu il bug pas ni rien. Salut, salut, Night City. Ravi de vous retrouver. Version Windows. Ce soir est le lieu c'est lequel celui-là? Porte-parole du NCPD. Bonjour, ma belle. Bienvenue dans l'émission. C'est celui qu'on a, non? Bonjour, Ziggy. Merci de m'avoir invité. J'espère que je sais pas quelle version j'ai. Ah, je reprends là. Excellent, on reprend là. C'est un FPS constant, putain, c'est beau ça. Let's go, j'ai tué le méchant, je me casse. Ok, on est à deux là. Bien, y en a qui tirent très très bien, je sais pas avec quoi ils tirent, mais ils tirent. Moi aussi je tire bien, enfoiré, va. Première petite balle. Et ça, tu peux le voir, que le launcher. Il y a la Java. Ah, j'ai la Java, je crois. Merde, putain. Let's go mon bébé. Oh non, mais en fait c'est lui qui tire bien. Je me suis encore fait baiser par le même, t'y crois? Je suis full concentré dans mon truc et je me fais baiser.
Imagine, c'est même pas une quête principale, hein. C'est juste du secondaire, quoi. En fait, c'est le chef, lui, je crois, non? C'est pour ça qu'il est bon. Il fait pas des bulles sur lui. Merde. Il m'a raté. Ah non, il m'a touché. Tellement mal les pélons. Oh, j'ai une étoile. Chier. Il est cané. C'est incroyable, une frontière d'X, les vitres, c'est des vrais. Des vrais vitres, la lumière incroyable, enfin c'est ouf. Et j'ai pas eu la chance de jouer du coup avec le RTX, tu vois. Mais ça me plairait bien quoi, de voir un peu la différence entre ce que tu peux voir en temps normal et ça quoi. Qui c'est qui me tire dessus? On peut pirater ça? C'est quoi, je me casse. Ça me tire encore dessus. Oui, j'ai mon compte, je me casse. T'as pas regardé des vidéos sur Minecraft RTX? Il y a pas mal de vidéos qui montrent le jeu de base, ensuite avec le RTX version vanilla, son texture pack, et c'est déjà incroyable. Non, je regarde pas ce genre de vidéo. Oh merde! Je me fais flinguer par les flics! On peut pas rentrer par là? C'est fermé, bon. Est-ce que je vais perdre mon étoile? Je me cache, normalement ils sont pas censés me trouver. Hein. Oh, ils sont forts en vrai. Ils sont forts, ils tirent bien les cons, putain. Oh, je suis mort. Par deux flicos, quoi. Je devrais regarder une petite vidéo pour que je vois la différence. Et je vais le perdre, ça, ouais. J'ai des infos sur une attaque de cyberpsycho. Mais je regarderai à la fin du stream, je regarderai ça. Même la Max Stack est au courant. Oh, il y a des méchants partout. Militech a tout étouffé. A mon avis, la psycho est l'une des leurs. Je parierais sur la lieutenant Mauer. Bref, quoi? La corpo va partir direct en thérapie. Alors, mais les flics qui me suivent en voiture. C'est plus dur que. C'est une municipale de Night City. Il y en a partout des pélos.
En vrai, il est pas mal, t'as vu, c'est garni, c'est fleuri, t'as des gens partout, y a pas un pet de lag, y a rien, quoi. Non, non, il tourne bien, honnêtement, je vais pas cracher sur le jeu, il tourne bien. Toutes les ruelles sont ouvertes. Oh, merde. Bruit de bagnole. Je suis en train de perdre mon étoile, là. Allez, putain, je fais partir mon étoile, zombie. Il est en train de pisser au calme, lui. Ouais, c'est vivant de ouf. Let's go. Tu vas parler à Punchin, Judy. Let's go, c'est fini, j'ai pris les pics. Ouais, puis c'est... c'est propre, quoi. Descends l'escalier. Je vais prévenir Judy que t'arrives. Let's go. Redis-moi ça. Tu veux qu'on fasse quoi? Et si ça marche pas, je sais pas, sortir les flingues. Je m'en fous. Je veux juste récupérer ma piole. Ton match, c'est dehors, c'est ça. Les musiques sont folles, j'ai des basses dans les oreilles, mon pauvre, avec le A50 là. C'est incroyable. Arrête de m'envoyer tous les objets de plaisir que tu trouves. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'elle? Si tu t'en fais autant pour les paumer, va donc t'occuper de ton invité. Suze, on n'a pas terminé. Bien sûr que si, on a terminé. T'abandonne jamais, toi, hein. On n'a plus rien à se dire. Je croyais avoir... Écoute, je cherche Evelyne. T'as pas vu Evelyne? Je dois lui parler. C'est important. Pourquoi? Pour lui faire porter le chapeau pour ce casque t'as foiré en beauté? De savoir qui l'a embauché. J'ai besoin de découvrir pour qui elle bossait. C'est tout? C'est tout. Judy, t'as pas à t'en faire. Je vais pas lui faire de mal. J'ai rien à y gagner. D'accord. D'accord. Evelyne est une poupée. Elle bossait aux Clouds avant. L'adresse est dans l'étui à cigarettes sur ma table. Prends-le et donne-le à Evelyne quand tu l'auras retrouvé. Evelyne, elle est morte. Méga tour. C'est le grand luxe. Attends. Tu me diras comment elle va, ok? Allô V, la Terre appelle V. La Terre appelle V, je regarde juste mes messages, madame. C'est bon, let's go, j'ai regardé mes messages. Quand ils disent une poupée, ça parle de prostitute. Non, en fait, c'est un... Ok, je t'appellerai. C'est pas une prostitute. Là, tu utilises ce mot-là, toi aussi? Merci. Prostitute. Une poupée. Tout le monde l'utilise, ce mot, c'est incroyable, mais moi, je l'utilise. T'es un cerveau malade. Et non, c'est une vraie poupée, je crois. Elle est vraiment toute robotisée, en fait, je crois. Bon, alors, on va genre, c'est un peu un truc comme ça, mais... Ouais, pourquoi pas. Travaille, toi, c'est bien. Ramène de l'argent. Evelyne, mon cul. Ouais, ouais, admets-le. T'es là pour les. Elle est comme elle, toi, elle est génétiquement modifiée, toi. Mais Evelyne, c'est pareil. Je crois que c'est une vraie poupée. Personne n'arrive à la cheville de Judy. Elle te taille les vertus comme des. J'aime bien ce mot aussi, je le trouve élégant, ouais, vrai, prostitute. Vas-y, on se casse, on va aller la voir justement, la prostitute. Elle a un méga building. Ah, putain, faut que je bolle une caisse au BG là. Monsieur Enz, si du boulot à Pacifica, c'est le ketchup et la mayonnaise, ça, non? Moi, c'est V. Et pas de... Ravi de te rencontrer. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Si tu cherches du taf, appelle-moi. T'as un véhicule à voler, là? Putain... En vrai, c'est chaud, ça. J'aurais dû mettre des véhicules... Attends, faut que je fasse la quête des taxis, obligé. Carte... mission secondaire, parler aux policiers, parler à Victor, Misty, se rendre à Love to Life. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ça que je veux.
Non, 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 journal. Mission annexe. Non. Putain, pourquoi ça retire Ah, c'est ça qu'il me faut. C'est où ça? À 750 mètres, c'est 100 mètres avant. Comme ça, je pourrais récupérer une caisse. Sinon, j'en vole une. Pas mal ta bacon. C'est pas ça que je voulais faire, désolé. Je peux pas voler ta bacon Mais monte dessus Let's go. Mais c'est pas ça que je vais faire. Hop, petit demi-tour là. Ah, j'ai gagné un point de ninjutsu. Let's go bébé. On s'en fout, c'était des méchants. Let's go. Petit virage, petit dérapage. C'est quoi cette radio? Ok, celle-là. Elle est cool celle-là. Oh oh! Wakako Okada, la dame du domaine de Westbrook. Passe me voir quand t'auras un moment. On doit régler nos comptes. Ouais, t'inquiète. T'inquiète, madame. Bien débrouillé. Merci. Ton ami et toi, à plus tard. Il est cané le pélo, hein, c'était Jackie. Oh merde, ça m'a remis la quête principale, fais chier putain. C'est pas ce que je voulais. Tant pis, bon, on va faire la quête principale, j'ai une bacon qui m'attend devant, de toute façon je m'en fous. À mon avis, ici tu vas soit prendre ton pied, soit te prendre une bastos. Les paris sont ouverts. On va prendre notre pied gros. On va au club nous, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai raté cette fois? Éclaire-moi. Miss Danse Sensorielle nous cache quelque chose. C'est pas un hasard si on a déjà vu deux Tiger Claws. Ils doivent contrôler le bâtiment. Oh bien, il y a des plus partout. Let's go. Pourquoi tu doutes de Chutis? Pourquoi? Pourquoi? Oh! J'ai pas le droit de monter sur un slip, je crois. T'en as déjà entendu parler? Ouais, en gros, tu dis que de la merde, quoi. Je comprends beaucoup mieux, là. Il y a des clous sur le banc. Étrange. J'ai peur de ce que je vais voir à l'intérieur. Bienvenue au Cloud, où nous savons ce que vous recherchez. Pourriez-vous vous connecter au terminal? C'est parti. Allez, c'est parti. Ça t'es. Ça va, mon petit pote? Ce sera une séance en direct, alors les événements pourraient vous surprendre. N'arrêtez pas tout de suite si vous êtes mal à l'aise. Vous pourriez manquer quelque chose de vraiment remarquable. Ah ouais? Si vous ne vous sentez pas ouais, prêt ça va à tranquillement, affronter la ouais. suite, vous pouvez interrompre immédiatement la séance. Je crois que je vais me faire ban de Twitch si je continue dans cette zone. Votre mot de sécurité, allez-y. Samouraï. Samouraï. Voilà, c'est enregistré. Je vous demande juste un petit instant. Je scanne votre profil personnel. J'ai peur, vous devriez voir les poupées compatibles sous peu. Ah ouais, je vois des choses bizarres là. Oh merde! Pourquoi il n'y a pas celle qu'on veut? Moi je veux Sky, hein. Deux correspondances. Intéressant. Ouais, mais Sky est plus intéressant. C'est normal ou bien... Qui peut dire ce qui est normal?
Vous êtes quelqu'un d'unique, avec des goûts uniques. Notre système est prévu pour ça. Alors, qui choisissez-vous ? Angel ou Sky ? Je préfère Sky. Je n'aurais pas fait un meilleur choix. Ouais, c'est Johnny pour Angel. Et ensuite, direction les nuages. Je cherche Evelyn Parker. Elle travaille ici ? Un instant, je vous prie. Evelyn n'est pas disponible pour le moment. Faut que je la voie. C'est important. L'algorithme ne se trompe pas. Croyez-moi, il vous choisira une poupée qui vous ravira. Nos poupées peuvent changer la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux en temps réel, selon vos souhaits. Je veux juste lui parler, c'est tout. Voyons, ne vous en faites pas. Votre poupée vous parlera de tout ce que vous voulez. Un pumpkin, la poupée, ouais. Désolé. Elle a enfin dit quelque chose d'utile ? On s'en fout du menu. Envoie chier cette serveuse. On apporte notre commande direct au chef. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que t'entres comme client et tu fais profil bas. Ils veulent pas dévoiler leurs cartes ? Très bien. On va jouer suivant nos règles. Et voilà. On paye alors et on rentre. Le paiement a été accepté. Heureusement. L'étage est à votre entière disposition si vous désirez d'abord vous détendre. T'inquiète. Sky vous attend dans la cabine 9. Ok. Je vous laisse vous déconnecter. C'est tout. Toutes les armes sont strictement interdites au Cloud. Veuillez me confier tous vos objets dangereux. Il y en a que deux qui veulent écarter les cuisses pour toi. Nous vous c'est souhaitons triste, un agréable va te faire mettre, Johnny. Alors... Ah, je crois que j'avais tout fait péter, moi, là-dedans, sur ma première partie. Salut, je m'appelle Sky. Salut, Sky. Et toi, tu dois être... Je suis Nanar. Vincent. Non, Nanar. Oui. Juste Nanar. Ok. Ça promet d'être intéressant. Fermez les yeux, les gars. Donc, tu es mourant, V. Je cherche une fille. Je cherche quelqu'un. Evelyn Parker. Elle travaillait ici. Tu la connais ? Tu sais où elle est ? T'as besoin de réponses, c'est évident. Mais pas celle dont tu penses avoir besoin. Je t'ai posé une question simple. Evelyn Parker. C'est pas vraiment elle que tu cherches si désespérément, n'est-ce pas ? Je sens ta peur. Tu as peur d'autre chose. Il faut la regarder dans les yeux, les gars. Mais j'ai peur de quoi ? Tu crois que tu me connais ? Vas-y. Dis-moi de quoi j'ai si peur. D'une chose dont tu ne parles pas. Tout le monde a le droit d'avoir des secrets. Et moi, j'ai une bonne raison d'en avoir. Dis-le. À haute voix. Pas pour moi. Mais pour toi. Samouraï. Qu'est-ce qui se passe ? On veut pas discuter. Cette saleté m'a éjecté. Il faut qu'on parle. Qu'on parle ? T'as tiré le frein d'urgence ? Tu m'as arraché de force juste pour parler ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait quelque chose de mal ? Evelyn Parker, qu'est-ce que tu sais sur elle ? Pas grand-chose. Chacun a sa propre cabine, ses propres problèmes. Pas grand-chose dans la tienne. Sa propre petite bulle. C'est un écosystème fragile. Les gens comme toi débarquent, le viol, veulent le réorganiser, mais non. Tu j'ai fais une attaque ou quoi ? Dis-moi ton prix. Je vous emmerde. Toi, tes Eddie et ta copine. Je pourrais me faire virer pour ce genre de conneries. Tu le regretteras pas, juré. C'est un secret. Bon, très bien. File-moi le fric et fous le camp avant de m'attirer des emmerdes. D'abord, dis-moi ce que tu sais sur Evelyn. Ok. Il paraît qu'un client s'en est pris à elle.
mais c'est tout ce que je sais. Ce genre de truc, ça arrive plus souvent qu'on veut bien l'admettre par ici. Va demander à Tom. Ils étaient inséparables, ces deux-là. Ils pouvaient rester des heures à papoter. C'est qui ce Tom ? C'est qui, Tom ? Une poupée, comme nous tous. Tu croyais quoi ? Que c'était une star de DSX ? Où je peux le trouver ? Zone VIP. Mais ouais ! Moi, je suis comme ça, moi, je suis un gentil. Moi, je donne de l'argent, mais je reçois rien en échange. Tu vois ? J'ai quand même pu te rendre utile. Je vais m'occuper de Judy, moi. Je n'ai Dieu que pour elle. Allez, ouvre la porte. Je peux pas rentrer ? Comment ça ? Je viens ici toutes les semaines, putain ! Vous n'avez pas le droit d'accéder à la section VIP. Et comment que j'ai le droit ? Non, monsieur, désolé. Vous pouvez régler ça avec la responsable. Non, mec ! Je vais régler ça maintenant, avec toi ! Est-ce que tu sais qui je suis ? Ce pommard comprend pas que j'ai le droit d'entrer. Est-ce que j'ai le droit d'être là ? Oh, c'est bon, c'est... L'abonnement VIP est plus valide. Hein ? T'as dit quoi, là ? Mais calmez-vous, monsieur. On pourra vous escorter dehors. Hop et boum. C'est là que j'avais merdé la première fois. J'ai fait des choses qu'il fallait pas et je viens de recommencer en fait. C'est ça qui est beau. Rien à voler là-dedans. Partons du principe que on a une arme. Ah. J'ai pas le droit d'être là. Attends. Ah, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans ma gestuelle. Et j'ai encore merdé quelque part, et là je vais me faire casser la gueule. Et c'était sûr, monsieur, c'était sûr. Oh, j'ai un couteau. Coup de couteau des familles. Mais j'ai déjà plus de vie, il est trop fort aussi. Le mec, je vide un chargeur de mitraillette, il est encore debout devant moi. Il met une balle, je tombe. Ah, ça c'est bugué. Faudra prévenir Monsieur Sou. Bizarre que ça n'ait pas marché. Je sais qu'il a refait des modifs sur le... Je peux pas rentrer ? Comment ça ? Je viens ici toutes les semaines, putain ! Vous n'avez pas le droit d'accéder à la section VIP. Mais comment que j'ai le droit ? Ah mais attends, non, monsieur, mais je sais. Désolé. Vous pouvez régler ça avec la responsable. Non mec, je vais régler ça maintenant, avec toi. Est-ce que tu sais qui je suis ? Attends, je peux aller dans la bonne zone. Omar, comprends pas que j'ai le droit de rentrer. Calmez-vous, monsieur. On pourra vous escorter dehors. Ah là, tu t'es fait voler, gros. Est-ce que tu veux que j'essaye de te le mettre éventuellement sur un malentendu? Peut-être qu'il pourrait fonctionner. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Se connecter. ...55. J'ai que celui-là. 1C. E9. Quoi? E9. Let's go. Je sais pas si ça va marcher. Du coup, je suis obligé de faire ça. De faire ça. Et de mettre le énorme. Énorme. Ah, il fonctionne. Ah, c'était un bug. Si je passe par là, j'ai accès, bien sûr que j'ai accès. Accès autorisé. Ah, là du coup il m'attaque pas. Enfin, il est quand même pas. Qu'est-ce que je vous sais ? Pas comme il a intérêt à parler vite et bien. Ah, fallait juste faire ça. Bonjour. En fait. Hello, je crois qu'il y a un petit souci. Je ne sais pas trop. J'ai pas vos détails. Désolé, mais je ne sais pas ce que je suis censé faire. T'inquiète. Il faut que je contacte Evelyn Parker. C'est important. J'aimerais pouvoir,
J'ai essayé de l'appeler une dizaine de fois, mais sans succès. Elle a eu un accident. Elle a dû partir pour une clinique spécialisée à Osaka... Non, Oslo, je crois. Ouais, Oslo. Okay. Pour faire changer sa plaque faciale. Attends, c'était Osaka ou Oslo ? Oslo. Ouais, Oslo, c'est ça. Et elle t'a dit... C'est elle qui t'a dit qu'elle quittait la ville ? Non, elle s'est pas pointée au boulot. Et elle décrochait pas non plus. Alors j'ai demandé à Woodman ce qui se passait. Et là, il m'a dit qu'elle était partie. C'est qui ce Woodman ? Ce Woodman, c'est qui ? Monsieur Forrest. On l'appelle tous Woodman. J'ai jamais compris pourquoi. Ok, et ce Monsieur Forrest, c'est quoi son boulot ? C'est un peu notre protecteur. Il trouve de nouveaux talents. Il aide à régler les problèmes. Compris. Est-ce que ce Woodman va enfin nous expliquer tout ce bordel ? Ah, on peut toujours rêver. L'éponge dans le crâne de ces poupées. Oh, c'est ça qu'il faudrait remplacer. J'ai pas le droit d'entrer par là, gros. Oh, pas un bateau ! C'est une gueule à faire de la voile ! Bon, on peut... J'étais détecté ! Oh non ! C'était sûr, monsieur, c'était sûr. Là, du coup, je vais me faire péter encore. Putain. Quoi ? Oh merde ! Mort les gars, je suis mort encore. Attends, je lis ton message après mon petit pote. Là, je t'avouerai que je vais me faire ken donc. Johnny, le mec qui arrête pas de te suivre, c'est un peu un esprit dans ton cerveau, comme à la Fight Club. Eh ben écoute, c'est l'idée, on va dire que l'idée de base c'est exactement ça. En fait, je me suis mis une puce dans la tête. Parce que la puce, fallait la protéger. Ça va, du calme. Et de ce fait-là, en fait, c'est une puce avec l'identité de cet énergumène. Et du coup, bah, on l'a dans notre crâne. En fait, c'est une double personnalité un peu. Tu viens de massacrer ma sécurité. Ok, j'avoue, ça a un peu dérapé. Mais coopère et personne d'autre sera blessé. Je négocie pas avec des terroristes. Putain, ouvre ta porte, je vais me faire ouvrir. Mais il est où, lui ? Pour tout faire foirer. Tu m'aides pas là. Et maintenant ? Maintenant on fouille. Dommage que tu puisses pas parler aux morts. Ah, bah si, t'es en train de me parler. Bref. Allez, fouille son PC. Ça pourrait marcher. Je vais me faire démolir. Ah non, c'est bon. On a affaire. On s'occupe de marchandises, réunit 5 filles de gars. On s'en fout. Ah. Il l'a vendu à un charcudoc ? Sa puce était foutue. Il l'a peut-être envoyée pour la faire réparer. Un charcudoc appelé Fingers. Dans une ruelle de pute. Ça doit faire fantasmer toutes les putains. Bon, maintenant, faut que je sorte en toute sécurité. Tant dire que c'est pas chose... Elle a laissé son sac. Peut-être qu'elle en a plusieurs. Toutes ses affaires sont dedans. Elle a dû partir en vitesse. Ah ouais ? Est-ce que tu l'as pas fait, toi, le jeu ? Et toi, le personnage de Johnny Silverhand, il est incroyable. Il est juste exceptionnel. Et il y a des... Donc là, toi, il est dans notre tête. Donc on contrôle, nous, le personnage principal. Et parfois, en fait, on fait des retours vers le passé. Ou on l'incarne, lui. Et c'est énorme. Ces passages-là sont les meilleurs. Attends, mais il y a des gens, là. Oh, merde. On l'a visé. Ta
Ah non mais relève-toi, j'ai plus que 180 balles. T'es mort, t'as plus de vie, qu'est-ce que tu racontes? Oh là 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 là, il avait plus de vie, Pedro. Comment j'avais une carte graphique bien trop pourrie pour le faire tourner? Ah j'avoue. Et là le jeu il est... bah t'as vu, il est sympa, il est plaisant, on va dire qu'il tourne, il tourne relativement bien. Oh, lui, c'est un gros costaud lui. Je vais le faire péter. Il va me faire péter. Je l'ai fait péter. Ça me va. Ça dans ce sens là, ça me va. Non, là je peux pas passer là. Dégagez l'étage vert. On va pirater. On va faire de la monnaie, gros. Je mérite au moins ça. BD. J'ai un BD. Et un 55. Encore un 55. Let's go bébé. Récupère de la tunasse. Vous aurez besoin de liaison intelligente pour exploiter. Ok d'accord. On a récupéré que 200 dollars. J'essaie vraiment de ramasser tout ce que je peux ramasser dans le jeu. Il y avait un gros sac à merde ici tout à l'heure. Ah, il me cherche. Pas encore calé. Je peux pas caner là. Moins un. Ok. Moins deux. Ok. Oh, il tire bien ce con. Il est fort. Il est fort le pélo aussi, il est fort. Une grenade, merde. Carte d'accès acquise, let's go mon bébé. On récupère des munitions, on récupère leurs armes, on récupère tout. Je savais que ça allait péter de toute façon dans là-dedans, c'était sûr 100%. Il y a encore des pélos. Pas comme ça, putain. Est-ce qu'elle est la caméra? Exécuté. Ah, je mets toi à côté, c'est horrible. Non, je peux pas régler ça. Non, pas là. Paramètres. Commande. Sensibilité. Si j'inverse. Enfin. Si je diminue la. Merde, une munition. Inventaire. Pourquoi je pourrais ça changer d'arme? Ah, c'est moi, c'est que 40 balles. Oh, il m'a fait mal. Allez, ramasse-le, ramasse sa carte. Ramasse tout ce que tu peux ramasser sur le pélo. Il y a encore du monde, non? Il y a encore du monde. Je suis dans l'obligation de vous rendre vos armes. Bah même oui, si oui. Ça ne me plaît pas trop. Merci. C'est bon, on est sorti. Inventaire. Du coup, faut remettre les armes à chaque fois. Putain. J'avais lequel? C'était celui-là. Ça, par contre, c'est relou. Le fait qu'on soit obligé de se remettre nos armes. Guide d'assaut, là, des familles. Let's go. Et là, est-ce qu'on mettrait type 1, un petit pompe? Hop, petit pompe, let's go. Personnage. Augmente la capacité de mémoire vide de console, non, sans froid. Les dégâts critiques, résistance. On va faire ça. Hop, impeccable. Et ça, du coup, est-ce que j'ai commencé à monter quelque chose? Ouais. Moi, c'est un point d'avantage dispo.
Merde. Impeccable, hop, hop. Bravo, bon boulot. T'as déjà pensé à faire carrière dans la diplomatie? Tu crois qu'elle est chez Fingers? Qu'on va la trouver là-bas? Si je pouvais voir l'avenir, je serais pas un putain de fantôme sur une puce dans le cerveau d'un cadavre ambulant. Salut, parce que le cul est trop viande. Prends la tête. Pas venu pour me faire les potes. Excuse-moi, j'ai pas le temps de sucer des queues. Ah, je respecte ça. Bien sûr, c'est ça. Tu crevais d'envie de balancer une bombe sur ce club. Pas besoin d'être aussi radical. J'ai d'autres méthodes. T'as vu qui c'était, Johnny Silverhand? C'est que l'éthique clause. Tu sais que c'est un acteur connu? Je pense que oui. Je pense que ça, tu l'as vu. C'est une légende, le mec qui l'incarne. Je suis Gillian Jordan. Pour la ouais, c'est ça, c'est Keanu Reeves. Ouais. La corporation Militech a été désignée comme le... Pour ça, le fait que ce soit Keanu Reeves, déjà, c'est excellent. Sa VF, elle est juste incroyable. Oh, j'ai la tête qui tombe, là. T'aimes bien Dead Space? Je sais pas si je t'avais déjà demandé, je suis pas sûr. Il sort le 27 et je pense que je vais le faire. T'avais un plan, t'as essayé, ça a foiré. Maintenant, t'es au point mort. Et t'as pas l'air en état de courir après Hellman. Ah putain! Ah, t'es trop. Ouais, là, le 27, là, il sort. Et du coup, je vais le taper comme un cochon. 27, c'est quand? 18? C'est chier, merde! Putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça fait 19, 20, 21, 22, 23. 27. Putain, ça avance pas samedi prochain. Ah, je serai peut-être pas dispo. Tu vas crever avant qu'on apprenne comment se débarrasser de la puce. Si je me souviens bien, ça t'arrangerait que je... Celui d'époque, non, les passages, mais apparemment, il y a des trucs en plus dans celui-ci. Ils ont rajouté des passages de scénario qui sont un peu plus complets. Je te l'avais déjà demandé, mais... Il me semble, j'ai pas envie de te dire de bêtises, je veux pas t'amuser en erreur, mais il me semble qu'il y a du scénario en plus. Ce serait quand même con de pas en profiter. Par contre, Resident Evil 4, ah ouais, je le ferai aussi, de toute façon, je pense. Ça fait 50 ans. Là, l'avantage, c'est de pouvoir le taper en full ultra, quoi. Ça va être bon. Et j'ai bien l'intention de le faire. Et pour ça, je vais avoir besoin de toi. C'est la première fois qu'on me propose d'entrer dans une cellule terroriste. Écoute, je suis flatté. J'ai des infos. Je sais où on peut te sauver la vie. Et qui peut nous aider? Toi, oui, quoi, t'enlèves dans la puce. Et moi, je démolis Arasaka. Tout le monde y gagne. Mais il nous faut le tueur d'âme. Et pour ça, on doit accéder à Mikoshi. Mikoshi? Ok. Alors c'est quoi au juste, Mikoshi? Ok, je t'explique. Si t'es connecté, et que tu surfes sur le net, Arasaka peut lâcher son IA, le tueur d'âme, pour piéger, griller et emprisonner ta psyché, ton esprit et ton âme. C'est bon, t'arrives à suivre? Je suis. Bien sûr. C'est comme ça que t'es devenu un construct. Exactement. Et c'est depuis Mikoshi que le tueur d'âme opère. C'est là qu'il stocke les engrammes de ses victimes. Je vois toujours pas ce que Mikoshi a à voir avec mon problème de puce. Toi, on peut pas dire que tu sois une lumière, hein? Les expériences sur le cerveau humain, il y a 50 ans. Mikoshi est le seul endroit sur Terre où ils ont fait ce genre de truc. Et ça doit encore être le cas. Crois-moi, c'est là que tout va se jouer. C'est là qu'on va régler nos problèmes, toi et moi. Ok. Je me sens un peu mieux maintenant. Alors va-t'en, j'ai un truc important à faire. Ah, un dernier truc. J'ai une botte secrète. Halt Cunningham. Oh, dégage. Je t'ai assez entendu. Ok, c'est pas grave. Tu finiras par m'écouter. En attendant, te fais pas tuer, ok? Il est gentil quand même, en vrai. Appelez Judy. Evelyn n'est plus au Cloud. Sa puce comportementale a été endommagée. Va
Apparemment, ils l'ont envoyé chez un charcutoc qui s'appelle Fingers. Oh non. Hey, je vais chez lui. Je vais la chercher. Je lui avais dit de pas retourner au Clouds, putain. Ok, à plus, V. Let's go, bébé. Des millions de personnes, d'animaux et de plantes ont été éradiquées en quelques minutes. Et le même sort frappe ceux qui s'approchent de trop près de l'extrémité sud de la péninsule coréenne, ainsi que des eaux alentour. Mais il reste de l'activité sur place. Ouais, c'est passé un truc plutôt fantastique. Ouh, oula, la tense. Où il y a du monde? Où il y a du monde? Vu comment ça... Alors, c'est plus dans ton style que Cloud, c'est... Minou, ben, pourquoi tu cours comme ça? Sais pourquoi tu payes. Ça lag de ouf, hein. Il t'a pucé gratos. Arrête. La zone était gourmande, je crois. Là, ça va mieux, là. Hé, on s'arrête là. Tu viens voir qui, là? Je cherche un charcutoc qui se fait appeler Fingers. Tu sais où je peux le trouver? Pourquoi? T'es qui? J'ai un problème avec un implant. Ah ouais, t'es pas d'ici, toi. Tu pouvais pas le faire réparer chez un autre charcutoc de la ville? Il paraît que Fingers est le meilleur. Ouais, c'est le meilleur pour les gagneuses, ouais. T'es une pute, toi? Je suis une prostitute. Non, mais toi, oui. Non, mais toi, oui. Ça se voit sur ta gueule. Oh, oh. Hey, t'as entendu ce que ce fils de chienne vient de me dire? Tu devrais faire gaffe. Je pourrais répéter, mais ça servira à quoi? Ta cervelle de moudube arriverait pas à traiter l'information. Oh, oh. T'as intérêt à t'excuser tout de suite, connard! Ok, je suis allé un peu trop loin. Désolé. Bah tu vois, c'est trop tard. Il fallait mieux choisir tes mots. Mensonge. L'idole loco va te les enfoncer dans la gorge et t'étouffer avec. Ouh, ouais, vas-y, défonce-les, mon grand. Mais je suis déjà mort. Oh là 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 là, erreur fatale. De toute façon, je crois que l'issue reste la même. Je me fais démonter. En 3 balles, là, c'est mort. T'as vu? Piu, piu et piu. Fais chier. Je vais essayer d'être bien avec lui du début à la fin. Je vais pas l'insulter. Je sais pas si je vais réussir, mais... Hé, hey, on s'arrête là. Tu viens voir qui, là? L'issue de la voie, elle est là-bas. Je cherche un charcutoc qui se fait appeler Finger. Tu sais où je peux le trouver? Pourquoi? Un de mes implants est foutu. J'ai un propre. Ça, on connaît. Pareil, Fingers est le meilleur. Ouais, on connaît. Ouais, gagneuse, moi, je suis une pute. Un escorte. Pour clients en particulier. Et je cherche un charcutoc pour répondre à mes besoins spéciaux. Bien. Tu vas plaire à Fingers. Laisse-le passer. Merci, bro. Par contre, Fingers, je vais le tuer. Non, non, non. Moi, je préfère vivre ici. Ok, d'accord. Mais, éteins pas la lumière. La touche pas. Tu crois que tu me fais peur? Il pleut tout le temps en été, alors. Ferme-la. Alors, moi, je peux pas quitter tout seul. Tu feras beaucoup moins le malin quand les mocs débarqueront dans le trou. Une histoire de pognon, va au tribunal, face de cul. Poutre, dégage. Ok, je comprends. Salut, V. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Pardon, hein. La queue, c'est par là. Non, 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 tu gruges pas. Tu t'assieds et t'attends ton tour. Je te souhaite que dalle. Je suis super inquiète pour elle, V. Oh, j'ai pas vu ça. Je savais pas qu'il lui était arrivé quelque chose. On va la trouver. J'en suis sûr. T'as pu parler à Fingers? J'aurais bien voulu. Il est plus dur à voir que les meilleurs docks de la ville. Je sens qu'on va attendre des plombes. Tu pourrais peut-être demander à ses filles si on peut passer devant elles? Pourquoi moi? J'ai l'impression qu'elles m'aiment pas trop. Allez, essaie! Ou alors trouve une meilleure idée. Salut les filles! Vous avez vu une femme avec les cheveux bleus? Elle a une puce de poupée. Je crois que je vois de qui tu veux parler. Fingers l'a opérée, c'est sûr. Elle est toujours là? Aucune idée. Va lui demander. Ma pote, là, elle va vraiment pas bien. Vous pourriez nous laisser passer, juste cette fois?
Bien sûr, mon chou. Vas-y. Quoi ? Eh oh, attends un peu. Elle avait l'air en pleine forme il y a 2 secondes. C'est une coriace. Elle est pas du genre à se plaindre. Voilà. Ok, on y va. Et maintenant ? C'est mieux. Attendez. Je suis fort, en fait. Il y a un truc qui cloche. Je vois tout flou. L'ancienne propriétaire de cette plaque faciale avait un visage plus long que tien. Les bords tirent sur tes nerfs optiques. Ne t'en fais pas. Je crois qu'il a fini. On entre. À la longue. Oui, bonjour. Que puis-je faire pour vous ? On a besoin d'une minute de ton temps. Une minute seulement ? Dommage. Je pourrais regarder s'agiter vos lèvres pulpeuses pendant des heures. Hélas, je suis occupé. Vous êtes des Tiger Claws ? Je vous ai déjà payé. On est des Mox. Des Mox ? Il fallait le dire tout de suite. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? On cherche Evelyn Parker. Je veux savoir où elle est. Passez dans mon bureau, s'il vous plaît. Beaucoup de filles passent par ici. Vraiment beaucoup. Mais je m'efforce de donner à chacune une touche personnelle. Ça, tout le monde vous le dira. Je suis plus qu'un... Je serais ravi de vous faire visiter, mais... plus tard, peut-être. Il a dû voler son arme, là. Ah, faut qu'on s'installe. Forrest, ce nom te dit quelque chose ? Non. On le surnomme Woodman. Il bosse à la maison de poupée. Vous... vous lui avez parlé ? J'aimais pas comment il me parlait. Alors je me suis assuré qu'il l'ouvrirait plus pendant quelques temps. Toi non plus, je t'aime pas trop. Alors fais gaffe à ce que tu vas dire. Une menace. Pauvre petite. J'ai vraiment tenté de l'aider. Mais vous le voyez bien, mon établissement n'est pas à la pointe. Abrège. Abrège, tu veux ? Abrégé ? D'accord. Eh bien, je n'ai pas la moindre idée d'où elle se trouve. Ça suffit, ces conneries ! Qu'est-ce que tu lui as fait, sale pervers ? Écoutez, soit vous muselez cette créature, soit vous la faites piquer. Je ne peux pas discuter tant qu'elle est dans les parages. Lui parle pas comme ça. Parle pas comme ça, mon pote. Bah quoi ? Elle m'a insulté ! Écoute, plus vite tu cracheras le morceau, plus vite tu seras débarrassé de nous. Bon. Evelyn Parker. Elle est où ? Elle est où ? Elle est où, monsieur ? Pourrait bien être sur le point de devenir la nouvelle star des DS Underground. C'est tout ce que je sais. Où est-ce qu'on peut la trouver ? Combien de fois dois-je vous le répéter ? Je ne sais pas. J'ai fait ce qu'aurait fait n'importe qui à ma place. Est-ce qu'on va pas le tuer par hasard ? C'est intéressant, ça, non ? Je ne peux pas l'aider, la remettre sur pied. J'ai appelé ma fixeur. 2 hommes sont venus la chercher le jour même. Ils l'ont emmenée où ? Je vous l'ai dit, je n'en sais rien. Ils n'étaient pas très bavards et je ne suis pas un pommard. Je sais qu'on ne pose pas de questions à ce type d'individu. Toi, t'es pas un pommard ? À ton avis, pourquoi elles viennent ici et te laissent les tripoter, toutes ces filles ? Tu crois que c'est pour ton charme ? Ta gentillesse ? Non, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Et au bout du compte, elles te méprisent. Et elles te trouvent... pathétique. Les 2 types qui sont venus la chercher, ils ont pas dit où ils l'emmenaient, ce qu'ils allaient faire d'elle. Ils en parlaient de vertu avec un papillon, il me semble. Ils disaient qu'elle serait parfaite pour ça, mais allez savoir ce qu'ils entendaient par là. C'est tout ce que je sais, juré. Tu t'es débarrassé d'elle comme on jette un putain de mannequin désarticulé. Eh bien parce que c'était exactement ce qu'elle était.
J'ai besoin d'air. Je sors. Judy a raison. À cause de gens comme toi, cette ville est un enfer permanent. Vous avez ce que vous vouliez, non ? Alors foutez le camp. Arrête d'enseigner, tu dis. Parle avec nous. Je l'ai laissé retourner au Cloud. J'aurais pu l'arrêter, mais je l'ai pas fait. Je viens de me taper un frisson de la mort. Waouh. Ça nous avancera à rien. Il était violent, et pourtant j'ai pas fait. C'est une perte de temps. Oh, je m'énerve pas. Je suis parfaitement calme, même si Eve est sûrement déjà morte. Ça, t'en sais rien. Et je vais sûrement pas gaspiller de précieuses minutes qu'on pourrait passer à la chercher. Notre seule piste, c'est une DSX. Où est-ce que ça nous mène ? On sait aussi qu'on doit trouver un truc lié à la tête de mort. C'est toujours mieux que rien. Je partage pas ton optimisme. J'ai quand même l'impression qu'on a absolument que dalle. Faut qu'on trouve où ils filment ces trucs. Ils doivent avoir un studio. Je doute qu'ils tournent beaucoup à l'extérieur. Ouais, ça doit être un endroit calme, bien isolé. On repérera peut-être un indice qui nous mettra sur leur piste dans leur vertu. À moins d'être de vrais pommards, j'en doute. T'as une meilleure idée ? T'as une meilleure idée ? Y'en a pas. Eh ben, il se trouve que oui. Y'a un clone du domaine Night City Pleasures sur le Darknet. Il s'y passe toutes sortes de trucs. On pourrait y trouver quelque chose d'utile. Laisse-moi réfléchir une seconde. Oh, gracieux et bon. Toi qui, à travers l'air noirâtre, viens nous visiter, nous qui ténîmes le monde de sang. Si le roi de l'univers nous était ami, nous le prierions de te faire paix. Ça a l'air d'être le paradis. Le domaine sur le Darknet, c'est notre meilleure chance. On va faire ça. Ok. J'espère que tu trouveras quelque chose d'utile. On espère aussi. Je vais attendre dans le van. C'est trop bizarre, hein. Non, parce que c'est 0,001, je crois, ou 0,02 centimes. Autant te dire que c'est rien du tout, quoi. Et on les a mis, en fait, les pubs, à la base, ça me faisait chier. Je les avais désactivés exprès. Mais en fait, Twitch en impose quoi qu'il arrive. Et du coup, ce qui se passe, c'est que... c'est eux qui se mettent l'argent dans les poches et pas moi. Donc du coup, quitte à avoir 0,01 ou 0,01 ou 0,02 ou 0,02, bah autant que ça revienne dans mes poches à moi que dans celle de Twitch. C'est pour ça qu'on a remis les pubs sur la chaîne en fait. C'est juste parce que sinon Twitch en met quand même en impose. Parce que du coup, on est venu me voir en disant, ouais, on a des pubs et tout, alors qu'en fait, je les avais pas du tout mises. Et pourtant, si, il y avait quand même de la pub. Donc on les a remis sur mon compte pour que ce soit moi qui récupère la monnaie. C'est vraiment, c'est minable ce que je gagne, c'est 0,01 ou 0,2 centimes, c'est un vrai sketch. Trouver le modeur de Hit dans Jig Street, ok. Je savais que c'était lui en plus. Je cherche quelque chose de brut, pas touché. Je vends que du brut. Qu'est-ce que vous aimez ? Je veux un truc puissant, qui me retourne le... Je reviendrai une autre fois. Ça marche. Et vous,
Vous comptez acheter ou rester planté là comme un flic en civil? On achète, nous, mon gars. Je cherche des DS. Un genre spécial. Spécial? Vous êtes flic? Donnez-moi le top du top. Celle avec la tête de mort dessus. Je pensais pas avoir affaire à un connaisseur. La tête de mort a un prix, vous savez. Y a pas de ristourne pour les nouveaux clients? Seuls les habitués ont droit à une ristourne. Si c'est trop cher pour vous, cassez-vous. Quel rat. Vous avez quelque chose qui pourrait m'intéresser? Celui avec la tête de mort dessus. Celui avec la tête de mort. Ah bah c'est lui. Mais c'est lui qu'il me faut quand même. Ah non, c'est lui. Il n'y a pas de tête de mort. Ah si, la friture du soin avec sa tête de mort. Ok. Mais c'est quoi ça? Comme l'autre. Je suis sûrement ramassé plus. Ah, je peux en acheter 9. J'en ai pas 9. Juste en acheter un, voir ce que ça donne. C'était un plaisir de faire affaire avec vous. Ouais, merci. Merci, monsieur. Hé, espèce d'enfoiré! Tu sais ta mère puant! Arrête-toi tout de suite! Elle me rentre pas dedans, toi, hein. Salut, chérie. T'es à croquer, toi. Tu veux pas venir par là? Viens que je te goûte. Allez, monte! Mais ma moto, je perds ma moto du coup. Je prépare tout. Toi, installe bien la couronne sur ta tête. Franchement, j'aurais pu la fumer de ouf. Tu regarderas pendant que j'édite en temps réel. On va bosser en tandem. J'attends plus que toi. Je veux que tu me décrives ce que tu vois. Au cas où un truc m'échapperait. Ah, j'aime pas ces trucs-là. C'est de la merde. Le mode d'édition est prêt. Tu peux fouiller autant que tu veux. Ok, changer de couche. Putain, quelle chaleur. Les relevés thermiques sont anormaux. Continue de chercher. Plein de trucs à scanner. On l'a commandé récemment. Une des os. Je pensais pas qu'il tournait des DSX en plus de couper les gens en morceaux. Des os, c'est sûr. Personne n'oserait se saper comme ça. Il se passe des choses. Il se passe des choses autour de moi. C'est qui lui? Il y a un logo électrique Corp sur la combinaison. Ah ouais. Il y avait un logo électrique Corp sur la combinaison. Ça pourrait juste être un costume, non? Pour les fétichistes des ouvriers, franchement, j'ai un peu de mal à y croire. Ça expliquerait aussi. Ah lui, il va prendre un truc, mon pauvre, mais t'imagines même pas. Peut-être une piste. Imagine, ils arrivent à remonter dans un souvenir, quoi. Une boîte ordinaire, avec le logo de Decker, Tanaka et Rogers. Rien d'anormal au milieu des déchets. Rien de tel que la bonne odeur du café synthétique bas de gamme. Il est froid. Baker Slice. Baker Slice. Pourquoi je peux pas reprendre la lecture là? Le café était froid, il devait dater de la veille. La pizza par contre, elle avait l'air fraîche. Et donc? Ça veut dire que quelqu'un se fournit régulièrement chez Buck Slice, et il y a peu de chances que ça soit pour la fraîcheur ou la qualité des ingrédients. Leur pizza ressemble à du polystyrène, personne va traverser la ville pour bouffer ça. Bon, ce qu'on cherche, c'est une centrale électrique Corp située près d'un Buck Slice.
Electric Corp avait un complexe à Charter Hill. Il y a un Buck Slice à côté. Mais comment être sûr que c'est là-bas? C'est moche. Il s'est fait refroidir, quoi. Il s'est fait refroidir de ouf. Il n'y a aucune couche. Ah si, il y a des choses à écouter là. La radio est à fond. C'est sûrement pour couvrir les cris. J'ai déjà entendu ce genre de bruit. Ça doit être des désosseurs. Refroidis le pélo. Direction la vieille centrale électrique Corp de Charter Hill. Va falloir se contenter de ça pour l'instant. On tirera rien d'autre de cet engin. On est efficace, hein. Salut, Night City. Pas de temps à perdre. Vos affaires. Let's go, bébé, roule. Je t'emmène. Un peu, ouais. Nous intéressons à un géant local de la défense. Ok, on y va. Alors en route. Putain, j'ai plus de véhicule, par contre, fais chier. Au premier abord, la santé de Militech a l'air solide comme un roc. Un demi-militech. Comme un roc. Tac, tac. Hop, touc, touc. Constitution. Non, ça ne m'intéresse pas. Réflexe. Yes, augmentation des dégâts des fusils et des mitraillettes. Ça, c'est intéressant. J'arrive pas à me le sortir de la tête. L'extrait de vertu qu'on a vu avec le sphinx à tête de mort. S'ils enregistrent que du snuff, alors... Arrête. Ce serait les derniers des pommards s'ils l'utilisaient bêtement pour du snuff. Qu'est-ce que tu veux dire? On parle d'une fille qui a un don pour ce qu'elle fait. Et qui possède un implant de poupée, en plus. Franchement, on trouve pas ça à tous les coins de rue. Let's go. Et qui a remplacé Kress dans le bureau ovale? Rosalind Myers. Ça alors, quelle surprise! L'ancienne PDG de Militech. En totalité. Night City, son petit bed. Ça y est, on y est. On entre. Trouve un moyen d'entrer. Je vais rester là pour scanner le sous-réseau et voir s'il y a des blindes ou des mecs qui traînent. Je l'ai fini. Je l'ai fini juste avant que t'arrives. Ok, j'entre. Ça va, Vicroute? Comment ça, tu connais pas? Putain, je peux pas forcer, gros. Je peux pas passer par là. Ça, je peux forcer, ça. Ouais, ça va. Ça fait quoi de beau, gros? Je suis un espion. Infiltré. Je tue les ennemis. Faire des montées. Protocole piratage contre les caméras désactivé à distance. Si, faut que je te remette. Distrait les ennemis. Comment je peux faire, Vicroute? Franchement, je joue, en plus je joue en difficile, en gros 3 balles, je suis mort. La caméra, elle a cru qu'elle m'avait vu ou quoi? Protocole piratage, gros. Putain. C'est pas, te fais chier, Vicroute. Je pensais que tu savais tout, moi. Mais je peux pas faire ci. Mais non! Mais je suis con! Je suis vraiment haché. Non, je joue pas la manette? Bon, peut-être je joue. Peut-être je joue la manette en vrai. Ça lâche!
tu te plantes comme un gamin. Bliat. Oh oh. Je suis repéré. Je te mets à côté. J'ai entendu des coups de feu. Ça va? Ouais. J'ai pas le temps de faire discret. Vas-y, défonce-moi, bro. Il y en a un autre qui me botte, je sais pas où. Ah, il doit être là-haut, Pelos. Ouais, battez-vous, bordel. Crève, crève, crève. Oh, je suis on fire. Tu l'as. Viens me montrer ce que t'as dans le front. T'es sûr que j'aurais pu monter là-haut, en vrai. Mais ah, il me pirate, en fait. Je peux pas monter moi. C'est de l'arnaque. Elle monte. On peut monter. Ah, lui il me cassera plus les couilles. Donc là il reste un pélo en bas. Mais une balle, il me retire là la vie. Moi j'en mets 12 dans la gueule là, je vide un chargeur, ça lui fait rien quoi. Après sur 10 balles, il y en a 3 qui le touchent, mais quand même. Putain, je peux même pas la pirater. En vrai, la visée elle est. Bah tu l'as fait Cyberpunk ou pas? La visée elle est trop chelou, le mec tu vas bien le viser et. Enfin, je sais pas, des fois tu sais, tu vises et c'est étrange. En fait, la sensi elle est assez, assez spéciale. Puis y a pas d'aide à la visée, rien quoi. Regarde, il prend pas les, dégâts. J'ai l'impression, des fois les balles elles touchent, il perd rien cet enfoiré. Ah ouais, bah là ça va, t'as vu, là je joue en full RTX et tout en plus. Après, il est où? Voilà. Je suis mis à côté, gros! Let's go! Merde, j'ai pas envie de faire ça. Aussi! Faut pas de bug refus. Bah là, moi j'ai. Là, du coup, il y a vraiment 0 bug quoi. Si je fais 55. Celui-là, c'est pas le bon. Là, j'ai un 55. Putain. Là j'ai les 55. En vrai je peux faire lui. Là j'ai le E9 qui est là. Sinon j'ai 55 qui est là. Sinon j'ai le 1C qui est là. Ou là j'ai un 55. E9. 55. Merde, putain, fais chier. Ouais, c'était... ouais, ça passe. Qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Elle est où? Boum! Comme ça qu'on fait, les gars. Reprendre une deuxième, tiens, ça prendra. Comment je m'appelle, moi? Crie mon nom. Je m'appelle Nanar. Ah, tout de suite, à la mitraillette, ça passe mieux, hein. J'arrive dans une seconde. Essaye de rejoindre les niveaux intérieurs. Tu vas mourir! Mais il y en a encore! Mais non! C'est chaud, ouais.
Ok, je vais ramasser son... Attendez pas ça, d'accord. Posez-vous le cul ! Arrêtez de déconner ! Mais vous êtes bien, pas énervé quand même que j'ai là. Ah voilà, là il n'y a plus personne là. Après il y a la caméra, la caméra OZEF. De toute façon je peux pas la désactiver. Ok, 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 il n'y a rien à ramasser nulle part je crois. Des poubelles, on peut pas la fouillax. Derrière, on est bon. Let's go mon bébé. Toc toc toc. Là que je dois aller. Forcer, il me manque putain un point de force. J'ai trouvé un moyen de descendre, tu vois ma position? Ouais, je te rejoins dans pas long. Attends-moi. Vé, attends. J'arrive. Et d'où t'arrives de où toi? Elle est folle. Je suis là. Il faut qu'on descende au niveau moins 2. Je parie que c'est là qu'ils la retiennent. Mais t'es vraiment descendu en plus. Ce chemisier, je le reconnais. Ouais, c'est le sien. Ouais. On n'a pas assez de méthionine pour le lot d'aujourd'hui. T'inquiète, on ajoutera du RTL et il y aura le poids. Du RTL? Il faut qu'on accède au couloir de l'autre côté de cette pièce. Ok. Et pour eux? Je pourrais simplement les éliminer à ma façon. Fais comme tu veux, mais fais-le maintenant. Est-ce que t'as la moindre idée de ce qu'on prépare ici? Let's go bébé. Infiltrateur nanar. Bam bam bam. Je m'infiltre, j'arrive à la silencieuse, je mets son petit boule, je la saisis, je la zibouille. Terminado. En toute discrétion. On m'appelle l'exterminateur. Le grand foutoir, bienvenue. Merci pour ton follow. J'étais pas prêt, ça fait un son que je ne connaissais pas. J'ai dit tiens, étrange, quelle est cette sorcellerie? Un C. Un C, j'ai merdé, je suis un connard. Du coup, si je fais, je peux même pas, du coup j'ai merdé total. Je fais E9 là, c'est mort. J'ai totalement chié mon piratage. Du coup, si je fais... Du coup, j'ai BD. J'ai 55 en bas. Je vais lancer à la gauche. Hop, impeccable. Monnaie, 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 monnaie. Alors, il a la vie. Tu connais Vicroute? Ah, t'as tout claqué, t'as plus rien? Mais non. On est plus juste des gonzesses. T'es ric-rac total. Ça, c'est pas cool. Perdre, c'est pas une fatalité. Y a un moyen d'être. Je vais nous voir! Ferme-toi! Ah, désolé, désolé. T'as chargé les pièces dans mon vieux taco et tracé la route. Dans mon vieux taco? Attends, y'en a qui s'est barré, je crois. Merde, comment je peux faire? Parce qu'il y en a un qui est juste là en fait. Et je crois que je peux pas. Tu en veux tes points, Vicroute? Je peux pas. Je peux pas te les rendre, gros. Est-ce qu'on peut pas ouvrir la porte? Protocole du piratage. On peut ouvrir la porte. E9, 1C. Quitter l'interface. Et ça fait quoi? Mais ça a rien fait du tout, ce billet. Mais comment que ça se fait que t'as plus de points, toi? Avec normalement t'es prime à la chaîne. Ils ont entendu, mais ils nous voient pas, gros. Putain, mais ils sont là en fait. Je vais être obligé de les igouillax. On va lui redémarrer son optique. T'as tout donné, mais t'es avec 2500 points.
Il y a pas mal spam à un moment. Ah oui, c'est vrai, je m'en rappelle. Comment il m'a pas vu? Je suis un génie. Oh, let's go. Elle l'a zigouillé, quoi. Je l'aurais fait sinon, mais... elle l'a zigouillé. Prenez ça, enculé. Oh, elle a dit... tu les as tous eus. Elle a dit des gros mots. Maintenant, direction le couloir. Et du coup, le grand foutoir, qui c'est que t'es? Y'a pas de présentation? C'est toi, Vicroot? Ah ouais, je pouvais activer et désactiver. Ok, d'accord. Je vais ramasser des pièces, moi. En fait, quand il y a des petites croix, c'est-à-dire que tu peux ramasser des choses. Ah, tu connais pas? Ah, c'est bizarre. Hein. Il a fait une apparition divine et... il a disparu aussi vite qu'il est apparu. Alors que je l'ai salué, en plus. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais grave. En légende. Regarde-lui, le pelos. Hop, je les aiguille dans le canapé, moi. Apéro, le bâtard. Apéro. Pourquoi je peux pas récupérer? On vole tout ce qu'on peut voler, hein. On est des malades. 55, 1C, 55. Ça commence mal. C'est surtout que, en fait, je peux pas du tout pirater le code, quoi. Ça va me faire foirer si je fais ça. Ok. 55. Putain, je suis dans la merde. C'est bon. On peut se faire ban pour ça, non? C'est ce qu'il te faut, Vicroot. T'as 35% de réduc. Tu veux de la MILF? MILF garde, 35% de réduc. Let's go. Let's go, bébé. Tac tac tac. Non, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. J'ai pas couru. Ne me dites pas courir, elle est en... Attends, moi je suis repéré en étant en plein milieu. T'as vu où elle est? Ça, c'est du foutage de gueule, ça. Et boum! Là il a pris. Là il a pris tarif. Naître de des... Attention! Les voilà! Ouais, oh, je suis repéré, c'est bon. C'est bon! C'est pas mal cette mitraillette là que j'ai là. J'aime bien. Magnifique. Ouais, je sais. Ah bah, crie pas, c'est fini, elle est folle elle. En train de donner tout son cri qu'elle a dans le fond de son corps là. Il y a des trucs là-dedans dans la prison à récupérer. Là, il y a R. Il y a R en fait, tout court. Eh, du coup, t'avais pas vu Picroute l'overlay? La munition comme ça, ça pue du fiac, hein. Être une salle de maintenance. Je vais essayer de foutre le bordel. T'es même pas capté, quoi. Tu viens juste de t'en rendre compte. Toi, tu as peur. Let's go, mon bébé. Alors, qu'est-ce que t'en penses, quoi? Tu kiffes ou tu kiffes? T'as le droit de dire que tu kiffes pas, mais... Ah, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est... Putain, c'est ça, à chaque fois, je me fais baiser. Bah c'est ça en fait. Après c'est ce que tout le monde a quoi, donc c'est ce qui marche on va dire. Je crois que je vais me faire défoncer là. T'as pas fait de son. Quel connard. Par rapport à avant, vous voyez ma grosse gueule là. 55, 9, 55. Ils lui ont retiré tous ses implants. Et tant qu'ils y étaient, ils ont aussi prélevé quelques organes internes. Ils ont de la suite dans les idées. Ah non, là, c'est pas le bordel, ça. Les désosseurs. Et après, il y a ce mode-là aussi. On a beau les écraser, ils comptent... C'est un peu plus petit et tout, il y a le chat à côté, toi, c'est sympa. Au moins, je peux discuter, faire un peu de gameplay vite fait pendant qu'on discute avec le chat et tout. T'as la petite musique en fond derrière. Après, je remets là, et puis... En vrai, non, c'est sympa.
Après, il y a les débuts de stream aussi qui changent, les pauses et les fins de stream. C'est dans la même configuration. Putain, je peux pas passer par là, ils sautent de ma gueule. En plus, il y a des connards derrière, il y en a deux. Je vais me faire défoncer, écoute, c'est le moment. Parce qu'on n'a jamais personne sur le dos et que nos journées sont coolos. Parce qu'on n'est pas obligé de rester dehors. Et je peux le court-circuiter. Faire un court-circuit. T'as raison, c'est tellement de la chier. Ce que je déteste, c'est être entouré d'une bande de cons. Pose un piège, gros. Bah, la porte est grande ouverte. Oh, je les ai éclatés. Ouais. Je les ai assommés. Je peux le pirater, lui. 55. 1C, E9. Ouais, je peux le faire. 55. 1C, E9. Ah, la transition. Là, t'aimes pas la transition vague un peu comme ça? Ça peut pas marcher. Elle est peut-être déjà là. C'est moins fun. Putain, eux, je les ai assommés, je suis content. Faut voir, après, c'est que le début. Oh, je suis trop lourd, je crois. On se porte trop de choses. Merde, inventaire. Inventaire des armes. Let's go. En légende. Trop d'armes sur moi, Zubie. Tout est tellement plus puissant. Déjà, faut partir du principe que si c'est plus... Merde. Ça fait quoi, X? Hein? Je suis en train de jeter au sol, là, non? Non, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis un connard. Je suis un fucking connard. Inventaire. Oh, je me suis mis des fusils à pompe. Elle où ma mitraillette qui va bien? Ça doit être elle. Ça, c'est la mitraillette qui va bien, ça. Du coup, démonter. Oh, je démonte tout là. Ah, je vais être tellement léger. Imagine la taille de l'inventaire, toi, il est énorme. Faut juste garder les armes iconiques. Est-ce que tu peux les modifier? Genre ce genre d'armes là. C'est des rares iconiques, elles sont très intéressantes. Ah, ça faut que je le vire, ça, le gosse. Hop, double canon. Nickel, nouveau frutal. T'es mal à la gueule que j'ai. Si je vais rester en short. Petit jean là, moi j'ai pas eu, petit jean. Hop, petit jean sympa. Petite lunette, là on change, qu'est-ce qu'on a? Ah. Let's go. Elle est en personnage, constitution, qu'est-ce que je peux? Anéantissement, c'est quoi? Légère de 3%, ça va prendre. Hop, ça c'est bon, nickel, impeccable. Ok, là je suis bon là. Mais il est tout studio, je crois. T'as trouvé quelque chose d'utile? J'ai débloqué l'ascenseur, ça devrait faciliter notre sortie. Je l'avais pas vu lui. Je sais pas d'où il vient. J'étais dans mon inventaire au calme, je sors faut et. Faut vraiment pas te faire chier. Et il y a lui. Ah non, faut pas me faire chier. Qu'une seconde, attends. C'est bon, je suis là. Il faut la retrouver. Tiens bon, Eve. Решите его, и я проставлюсь. Qu'est-ce que tu racontes toi? Espèce de fou. Allez, là. Les gars. Elle était toute seule, qu'est-ce que tu racontes? Pas dit allez les gars. Ils sont canés d'un coup. C'était pas très puissant. T'as pris mon chat. Je suis repéré par la caméra. Et tout ça. Elle me bloque. On s'en fout, on a pas besoin d'aller là, on va aller là. Ah, y'en a d'autres quand même, hein, en vrai. Je pourrais me faire des pétrodollars.
Pas intéressant, pas intéressant. T'es toujours là, Vicroute? Il va me dire oui. En train de te mater jouer, t'es à chier. BD 55, je peux pas le faire. Ici, je trouve un C. Un C. 55, j'en ai eu deux pour le prix d'un, ça va. C'est Evelyne, la touche pas. Si elle enregistre, tu vas lui bousiller le cerveau. Attends que je coupe sa liaison. Vas-y, coupe, coupe, coupe. Je la vois, et je vois le câble. Attrape-le et dis-moi quand tu tires dessus. Je vais couper la liaison de mon côté en même temps. Ok, on y va. Voilà, pauvre. Ok, c'est parti. 3. Elle s'est faite démonter, hein. Putain, merci. Eve. Evelyne, tu m'entends? Il faut l'emmener en lieu sûr. Ouais, et s'entraîner. Par où on va? J'ai condamné les portes, et j'ai redémarré les ascenseurs. Aux ascenseurs, alors. Tu t'es trompé de direction, meuf. Alarme, toi t'es fou. C'est boîte à cigarettes, ça. Allez, quoi, c'est si dur que ça? Allez, juste une. Pour moi. Ok, si ça te fait plaisir, encrasse-toi les poumons. Oh, enfin un truc plus agréable que les gaz d'échappement et la puanteur de cette ville. Me dis pas que tu le sens pas aussi. Allez, on entre. Ouais, assez poireauté. On n'est pas revenu de l'enfer pour rester planté devant une porte. Ça. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là en vrai? On fouille, on en profite, hein. On récupère tout ce qu'on a récupéré. Elle s'est endormie. Enfin, je crois. Elle allait... J'aurais bien envie de l'étrangler, si elle me faisait pas autant de peine. Tu lui en veux? Pourquoi? Pourquoi? Quand tu m'as demandé d'explorer sa puce comportementale, j'en ai eu ma claque de tes conneries. Judy, j'avais pas d'autre... Je sais. C'est bon. Alors, je piche pas pourquoi... Tu vas vite le savoir. Je vais te montrer les vertus que j'ai trouvées. Voyons ça. Ok. Fais voir. Une seconde, faut que je configure les paramètres. On va bientôt savoir si la poupée a vraiment les fusibles grillés. Allez, V. Je suis le premier à l'admettre. Ça se présente mal. Oh, si c'est pas mignon. Connard. Assieds-toi. Vas-y. Au revoir. Les données étaient salement endommagées. J'ai pas pu les éditer tant que ça. Je suis déjà content que t'aies pu les récupérer. Ah merde. Faut attendre que ça charge.
La qualité est pas terrible, mais j'ai fait au mieux. Je dois me concentrer sur quoi ? Jette un coup d'œil si tu veux. Je vois pas son visage. Normalement, ce genre de cryptage devrait être super facile à casser. Mais pas cette fois. Je sais pas qui c'est, mais... c'est pas une netrunner du dimanche. Ouais, ou bien elle reçoit l'aide de quelqu'un. Quelque chose que j'ai raté ailleurs, ah non. Il me semble avoir déjà vu ça. Sur tout un texte, je vois les dispositifs de sécurité. Il faut la configuration complète. Pas de la assez pièce. Pour savoir ce qu'il signifie. La vertu se chargera de nous fournir. Je sais qu'il pourrait s'en servir. Qui je m'occupe pas de ces messages. Peut-être les Voodoo Boys. Non. Masculine intuition. Sauf si tu peux le faire. Pas sûr à 100%. La le bande plus de important, c'est qu'ils ne se doutent de rien. En sorte d'être quasi impossible soit à trouver. Naturel. J'aurais même détendu. Pas peur de commencer. Et s'il commence à parler de la biopuce. C'est peut-être pas important. Possible. Mais ils viennent tous de Pacifica. Au moins, ça réduit notre zone de recherche. Et maintenant ? Je crois que Qu'est-ce je suis que bon je pour aller faire un tour à Pacifica. La biopuce ? Comment tu es au courant ? Ça ne te concerne pas. Tu filmes la vertu, tu reviens ici, et on te donne des édits. Ton boulot se limite à ça. Le reste ne te regarde pas. Bien compris. C'est comprendo. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Tout ça pour ça, quoi. Tout ça, c'est évident. Qu'est-ce que t'en dis ? On dirait qu'Evelyn nous avait pas dit toute la vérité. Non. Tu crois ? Si j'avais su dans quoi elle s'était fourrée. Oh, je lui en veux ! Son boulot, c'était juste d'enregistrer une vertu. C'est à peine croyable qu'elle ait réussi à planifier un casse de A à Z. Et à faucher la biopuce, juste sous le nez de son boss. C'est là que t'es entré en scène, qu'elle t'a engagé. Et qu'elle s'est mise dans ce merdier. Et toi aussi. Il y a un autre enregistrement. Tu veux le voir ? Ouais, pourquoi pas. Plus rien peut me surprendre maintenant. Je sais pas. En créole haïtien. C'est des Voodoo Boys. Attends. Je me demande si j'ai pas un traducteur automatique. En attendant, essaie de te caler sur la fréquence du téléphone. Check ce qu'on dit de l'autre côté. C'est bon, juste une petite seconde. Faut qu'on sache ce qu'ils disent. Ça pourrait être important. Super. Je viens de trouver le logiciel de traduction automatique. Traduit. Il doit être compatible avec ton système. Je te l'installe. Vous tenez raison, Arou. Il est trop intelligent, bon. Vous pensez même que ça a fait un problème ? Un pas qu'à quoi. Et puis, il sait le chanson pour nous payer et nous pour. Nous ne pouvons pas risquer là. Moi, t'as ramé quoi, même j'ai avéré, qui Sylvain a peine nous tirer sous halte. Est-ce que nous avons plus bon. Très bien. Si vous finissez de critiquer tout ça en caddie, vous pouvez vous prendre travail à. C'est bon, Judy, j'ai tout. D'accord, je te déconnecte. Yes, déconnecte-moi. Il y a un bug, non ? C'est sûr. Je pige pas. C'est quoi le rapport avec Johnny Silverhand ? Il est mort, genre... ça fait une éternité. V, tu sais ce qui se passe ? La biopuce qu'on a volée. L'engramme de Silverhand est gravé dessus. L'engramme ? Sa psyché numérisée. Son construct de personnalité. Tu peux me laisser une minute ? Je dois réfléchir à un truc dans ma tête. Ouais, pas de problème.
Ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à Alt? Comment tu veux que je le sache? T'en as vraiment aucune idée? D'une manière ou d'une autre, tout nous ramène à cette Netrunner. Alors ça doit être notre priorité de la retrouver. Si elle en sait autant que je l'imagine sur la puce, alors elle pourra nous aider. Et vous ne disiez pas que rien pourrait nous aider? Putain, trouve-nous juste cette joujou câblée, ok? Attends, t'es en train de me dire que tu sais comment contacter les Voodoo Boys? Oh oui. Je vais me renseigner. Passer des coups de fil. Les Voodoo Boys, c'est le genre à se méfier d'un chat qui se pointerait sur leur territoire. Il doit bien y avoir quelqu'un qui sait comment entrer. Alors bonne chance. J'espère que t'en auras pas besoin. Merci. Fais du rire dans les escaliers, là. Attends, y'a pas un... Fais gaffe, petit. Excuse-moi. Non, y'a rien. Je pensais qu'il y avait un graffiti. Hop, impeccable. Tac, tac. Sauvegarder la partie. Je veux sauvegarder. Hop. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu encore. L'aventure, je la trouve intéressante. Donc voilà, si jamais c'est le cas, bah, abonnez-vous, suivez la chaîne. Je vous invite à la rejoindre avec grand plaisir, ça soutient de fou. Rejoignez le Discord aussi, très important. Je vous souhaite une agréable soirée, prenez soin de vous. Bon courage pour ceux qui vont en taf. Moi, je vais y aller parce que bah, j'ai des rendez-vous demain matin, je me lève tôt. Et voilà, je vous dis à demain pour... ça sera du Sekiro demain, donc pour la suite des aventures de Sekiro. Donc voilà, une bonne soirée à vous, tchou, bye.